On a beaucoup de sujets ce soir. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Elle est choquante, mais je vous la montre dans un instant. D'abord, aujourd'hui se tenait à 13h30 une marche blanche pour Thomas. Tué à Crépol, dans les circonstances dramatiques, la famille voulait ainsi honorer à la mémoire de ce jeune homme aimé de tous, sportif, mais victime de la barbarie. Les marches blanches s'accumulent, Mathieu Bock-Côté, ces dernières années. De quoi ces marches sont-elles devenues le symbole? Que représentent-elles? Je crois que c'est la question qu'on doit se poser parce qu'effectivement, elles se multiplient. C'est presque une séquence médiatique attendue désormais. Vous avez une agression, quelqu'un perd la vie et poignardé dans ce cas-là. Et ensuite, il y a la réponse qui est la marche blanche, qui est une manière de protester, qui se veut une manière de protester dans la dignité. Je dirais que c'est un moment presque aujourd'hui ritualisé. Un moment ritualisé de quelle manière et pour quelle manière? Toute société devant l'horreur, toute société devant un événement de cette nature a besoin d'un moment de catharsis, a besoin d'un moment pour s'unir en prière, on aurait dit autrefois, a besoin d'un moment pour s'unir en prière, pour éviter d'ailleurs la tentation de la vengeance. Et c'est une manière, devant l'horreur, justement, je le dis, de protester dignement, de rappeler l'importance des victimes, de visibiliser les victimes, de rappeler que cette victime, c'est aussi des tonnes d'autres victimes, ceux qui étaient proches de cette personne, et de montrer que toute une communauté est frappée. Le problème, et là, je suis dans le mauvais rôle, si je peux me permettre, parce que on comprend tous la nécessité pour les victimes et leurs proches d'une telle marche. Mais de quoi sont-elles le symbole politiquement? De quoi sont-elles le signe politiquement? Un peu, quoi qu'on en dise, de notre impuissance collective. Je dirais que c'est le point d'aboutissement de la logique du « vous n'aurez pas ma haine ». Vous n'aurez pas ma haine, on le sait, c'est la réponse lorsqu'on... après le Bataclan, si je ne me trompe pas, la réponse est « vous n'aurez pas ma haine », c'est quand même assez étonnant comme réponse. Généralement, moi, si vous massacrez ma famille, je vous l'avoue, vous aurez ma haine. Éternel. Sans pardon. C'est mon côté nietzschéen non chrétien. En ces matières, moi, je laisse le pardon à mes amis et de mon côté, je crois à la justice première, c'est que celui qui a tué doit quand même savoir que ce ne sera pas permis. Je n'appelle pas la peine de mort. Je dis seulement que celui qui a tué doit, on doit, avant de le pardonner, il doit quand même connaître la sanction. Et nos sociétés aujourd'hui peinent à accepter cela. Je donne un autre exemple, c'est la mise en scène de l'émotion dont on a besoin mais qui dit quelque chose sur nous. Rappelez-vous l'attentat de Bruxelles. Dans les heures qui suivent, partout, sur les réseaux sociaux, il y avait une petite affiche, là, vous savez, les gens ont des dessins pour témoigner de leurs émotions, et c'était Tintin qui pleurait. Tintin pleurait. Donc c'était les nounours, ce sont les bougies, ensuite les déclarations d'amour, et là maintenant c'était Tintin qui pleurait. Et je me souviens à ce moment-là, j'avais eu envie de dire « Tintin, cesse de pleurer ». Frappe plutôt que pleurer. Quoi qu'il en soit... N'incitons pas à la violence. Vous avez tout à fait raison, sur le plan symbolique, c'est-à-dire le moment de la douleur de ritualiser c'en est un, mais le moment de la réponse politique, ce que j'entendais par frappe, c'est-à-dire il faut réagir à la hauteur de l'enjeu. Vous avez raison de me faire préciser la chose. L'enjeu, c'est que c'est une marche qui est apolitique. D'ailleurs, la famille l'a demandé. L'a-t-elle demandé? Est-ce qu'on lui a demandé de le demander? Ça, j'en sais rien. Mais c'est une marche apolitique dans un moment qui devrait être tout à fait politique. Dans un moment qui devrait être absolument politique. Dans un moment, quelle est la fonction première de l'État? C'est assurer la sécurité de ceux qui vivent, qui ont sa nationalité, hein, qui vivent sous l'autorité d'un État. Quand l'État n'est plus capable d'assurer cette sécurité, quand des bandes sont capables de se promener sur un territoire, de lancer des raids, des razzias, poignarder, ainsi tuer un homme, en blesser d'autres, eh bien c'est que l'État... Fondamentalement, je n'accuse personne, je dis que sur le plan du pacte social, le pacte social n'est plus tenu, la promesse au cœur du pacte social n'est plus tenue. Et on ne veut pas, on s'entend bien, on ne veut pas d'un monde où après une telle raid, une telle razzia, eh bien le commun des mortels plaiderait pour une forme de contre-raid des natifs. Le contre-raid, c'est-à-dire on attaque, eh bien on contre-attaque, personne ne souhaite cela. Mais... pour que ça ne puisse pas se passer, il faut normalement justement que les choses soient dites, que le pouvoir de l'État s'affirme. Or, en ce moment, on a l'impression que le pouvoir de l'État se retourne contre le commun des mortels. J'en veux quelques exemples. Vous savez, depuis hier, on le sait, c'est une attaque qui s'est passée sous le signe « on va planter des Blancs ». C'est du racisme anti-blanc pur. J'utilise le mot avec des guillemets parce qu'il est chargé, mais il y a un côté pogrom anti-blanc, un côté pogrom anti-français dans une telle charge. Alors, qu'est-ce que je... Mais il ne faut pas le dire, c'est tabou. Ah ben, je le remarque. Et non seulement il ne faut pas le dire, mais imaginons un scénario alternatif. Scénario. 15 personnes, des néo-nazis, décident d'aller attaquer une fête musulmane et disant « on va aller planter du musulman ».
Et là, ils arrivent, puis ils tuent un musulman. Est-ce que vous croyez véritablement que ce ne serait pas au cœur de l'actualité? Est-ce que vous croyez que ce ne serait pas une nouvelle mondiale qui ferait en sorte qu'on défilerait de Jakarta à Washington en passant par Vancouver, Montréal, Londres, Paris? Bon, ah non. Mais là, dans les circonstances, puisqu'on veut planter du blanc, puisqu'on veut tuer quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est comme ça la question, on n'ose pas nommer ça pogrom, on n'ose pas nommer ça tentative d'assassinat, on n'ose pas appeler ça raid violent. On dit même que le principal enjeu ici, j'y reviens, c'est le danger que ça fasse monter l'extrême droite. Encore une fois, on le disait hier, et deux concepts, vous savez, j'aime les concepts qui traînent dans l'actualité, donc deux concepts sont apparus aujourd'hui qui doivent être mentionnés. Le premier concept, c'est décence. C'est la première ministre, Mme Borne, qui a dit, qui a appelé les marcheurs à réagir dans la décence, et ce ne serait pas rendre hommage et honneur aux victimes que d'exprimer une colère et de consentir à la récupération. Donc, soyez poignardés, marchez dans la décence pour protester, dans le silence, mais la décence veut que vous ne politisiez pas ce qui vous est arrivé, même si on a voulu vous tuer sur un motif explicitement racial. Tel était le message étonnant de la première ministre. J'ai retrouvé l'autre message de la première ministre au moment de Lula. Je cite « Elisabeth Borne fustige l'indécence de l'opposition et appelle à respecter la douleur de la famille ». Ah ben oui, mais comme quoi elle est constante. C'est-à-dire qu'après Lola, l'indécence, c'était de dire qu'il y avait une signification collective à ça, qu'on écoutait au QTF. Et là, l'indécence, ça serait de dire que quand une bande lance une expédition punitive, un raid programmé, avec des gens qui ont des couteaux et des lames pour être capables de poignarder des gens en disant « on va planter du blanc », si vous nommez cette séquence en y voyant une signification politique, vous êtes indécent. Ah ben d'accord, ben je constate qu'on n'a pas tous la même conception de la décence, c'est une société pluraliste. Ensuite, l'autre concept qu'on doit utiliser, c'est le concept de jouer sur les peurs. Jouer sur les peurs. Donc là, on a accusé la droite et l'extrême droite, pour reprendre la formule, hein, tout ça avec des tirets, la droite et l'extrême droite de jouer sur les peurs. Mais moi, je suis curieux. Est-ce que des gens qui aujourd'hui savent qu'ils peuvent se faire poignarder à la salle municipale comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur? Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les peurs? Est-ce que ça veut dire finalement soyez conscients d'une réalité nouvelle, de telles bandes peuvent poignarder, de telles bandes peuvent véritablement vous gâcher la vie? Est-ce que nommer cette réalité, c'est jouer sur les peurs? Est-ce qu'on n'est pas dans une variante du sentiment d'insécurité? Donc c'est le double concept de la journée, décence. Si on vous poignarde, taisez-vous. Vous pouvez marcher silencieusement. Sinon, vous ne respectez pas les victimes. Et de l'autre côté, jouer sur les peurs, c'est-à-dire nommer la réalité et ne pas se contenter de dire c'est un fait divers et une rixe. Vous savez, il y en a depuis toujours. Hein, des gens qui se font poignarder dans les campagnes en se faisant dire on va planter du blanc, il y en a depuis toujours en France. C'est bien connu. À tout le moins, c'est ce que je comprends du discours des derniers jours. Et dire le contraire, c'est même raciste. Retenons ces leçons du traitement médiatique des derniers jours. Restons un instant sur la marche blanche. Les familles, après de tels événements, n'ont-elles pas besoin d'un tel moment de recueillement pour traverser l'épreuve? Et vous avez raison de me ramener à l'ordre, parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire une société ne peut pas fonctionner sans rituel. Hein, c'est, tous ceux qui s'étaient dit « on va chasser la religion de la cité pour vivre dans la pure transparence de la conscience laïque et républicaine » découvrent que devant la naissance, la mort, les grandes étapes de la vie, ce que l'on voyait comme étant l'opium des peuples, hein, les religions, eh bien, ça permettait de structurer existentiellement, symboliquement, les grands rituels de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans une marche blanche comme celle-là? On cherche le caractère solennel d'une messe. On cherche le caractère solennel, en fait, d'un dernier moment pour dire adieu. Mais on le cherche, mais c'est une messe sans Dieu. Si je peux me permettre, on est croyant ou non, c'est une question secondaire, mais c'est une solennité qui ne sait pas s'accrocher à d'autres choses que la douleur des victimes. Et j'y reviens. Donc vous me dites, est-ce que c'est pas nécessaire? C'est absolument nécessaire pour les victimes. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le signe d'une hyper-morale qui se substitue aux politiques. Parce qu'après un tel événement, ma première réaction, mais je me trompe peut-être, je voudrais surtout que l'État soit capable de nommer les agresseurs. Je voudrais que l'État ne fustige pas ceux qui ont une profonde douleur et qui disent, il est temps que ça cesse. Je voudrais que l'État ne se dise pas, il faut éviter surtout que tout déborde. Quel est le débordement redouté ici? Pour moi, le débordement, c'est ce qui s'est passé. De samedi à dimanche. Le débordement, je ne vois pas la suite. Peut-être le débordement pour eux, c'est voter pour des mauvais partis. Mais j'aimerais surtout que les agresseurs aient peur désormais. Parce que pour l'instant, ce sont les agressés d'aujourd'hui et de demain qui ont peur. Et de ce point de vue, il va falloir une forme de révolution mentale qui va au-delà de la politique. Qu'est-ce que vous entendez par révolution mentale au-delà de la politique?
Alors, nos sociétés ont besoin de pleurer, je l'entends, mais elles ont aussi besoin de serrer les dents, franchement. Il y a une forme d'amollissement du tempérament dans les sociétés occidentales qui ont perdu le contact avec la guerre. Et c'est heureux, soit dit en passant. On est très heureux d'avoir traversé plusieurs générations sans guerre. Mais le fait est que nos sociétés aujourd'hui sont tétanisées lorsque des gens veulent des bandes dans les circonstances, veulent tuer leurs enfants. On ne sait pas comment réagir devant cela. Nous sommes devant une force qui jouit de son sentiment de toute puissance, d'autant que nous n'avons que des pleurs à opposer à leurs lames. Hein? Ils ont les lames, on a les larmes. En ces matières, je dirais, le fait de retirer un R vous donne une force supplémentaire. Et on le voit. Alors, dans cet état d'esprit, on revient, c'est la question de l'État. Et il s'agit d'accuser personne, on s'entend. Moi, j'accuse, je ne donne pas des accusations pour l'un pour l'autre. Mais l'État, j'y reviens, une fonction politique fondamentale, c'est d'assurer la concorde civique en toutes circonstances. Et dès lors, il ne s'agit pas, dans un événement comme celui-là, de se retourner contre les victimes. Si aujourd'hui, vous dites aux victimes, soyez décentes et taisez-vous, sinon vous faites partie du problème. Je considère que de ce point de vue, la véritable dis-je, indécence était là aujourd'hui. Merci pour votre regard. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Je sais pas, déjà sur ce sujet-là, est-ce que selon vous, Guillaume Bigot, il a parlé du racisme anti-blanc, est-ce que le racisme anti-blanc est devenu tabou? Est-ce que c'est ce dont on ne veut pas parler aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir au-delà de ce qui s'est passé? D'abord, c'est un peu le comble du racisme de penser que le racisme aurait une couleur de peau, que certains ne pourraient pas être victimes de racisme par couleur de peau, et par couleur de peau ne pourraient pas être porteurs de racisme ou vecteurs de racisme. S'il y a bien une chose qui est universellement propagée, malheureusement, c'est et la bêtise et le racisme, et qui en est une déclinaison. Deuxième chose, je pense que comme on n'a pas voulu voir cet antisémitisme, puisqu'on a projeté sur les enfants issus d'immigration, on les a vus comme des porteurs symboliques d'étoiles jaunes, c'est-à-dire la fameuse main jaune de SOS Racisme, pendant très longtemps, on a voulu voir le racisme qui était soi-disant enfoui au fond de nous, la bête immonde qui allait ressurgir, etc. Et on n'a pas vu la graine de SS, en fait, s'avancer avec des couteaux, juste pour faire mal, en fait, pour tuer celui qui était différent, parce qu'il est différent. Voilà, c'est ce qui s'est passé aussi quand les islamistes se sont comportés comme des Einsatzgruppen et ont mitraillé et ont rafalé, si vous voulez, des gens qui étaient dans une salle de concert. C'est de la graine de SS, en fait, et ça doit être traité comme tel. Et à mon avis, pas par l'état de droit, on n'en est plus là, mais c'est une autre question. Charlotte Dornelas, je me tourne vers vous et ensuite Marc Menant. Je vais vous citer une réflexion que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sans citer l'auteur, je vous donnerai l'auteur après. Quand Naël est mort, Emmanuel Macron, je cite, a déclaré dans l'heure que le geste du policier était inexcusable, et le lendemain, on a eu droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi, après la mort de Thomas à Crépol, le même Emmanuel Macron n'a-t-il pas déclaré dans l'heure que le geste de la racaille immigrée était inexcusable, et pourquoi n'y a-t-il pas une minute de silence à l'Assemblée nationale? La vie d'un petit voyou immigré a-t-elle plus de valeur que celle d'un jeune Français bien élevé? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est cette question qui fâche? La vie de l'un ne vaut pas la vie de l'autre. On a beaucoup abordé ce sujet lorsqu'on parlait de ce qui s'est passé en Israël. La vie de l'un vaut-elle la vie de l'autre? Et est-ce que sur notre sol, la vie de l'un vaut la vie de l'autre? Ce qui est sûr, c'est que oui, les vies se valent de manière indiscutable. En revanche, la réaction, c'est-à-dire que la volonté de dénoncer la politisation est une politisation puissance 10 000. C'est-à-dire que leur manière d'appeler à la retenue et à la décence le lendemain de Lola, puisque vous avez rappelé qu'Elisabeth Borne en avait parlé le lendemain de Lola, aujourd'hui, alors même qu'une marche blanche se fait dans le calme absolu, que la maire prend la parole avec une dignité hallucinante. Et où était Madame Borne pour appeler au calme et à la retenue le lendemain de la mort de Naël, quand le pays entier était en train de brûler? Non, elle appelait à la retenue à ce moment-là sur les gens qui dénonçaient les émeutiers. Donc là, c'est même plus que les gens veulent plus voir, c'est même plus qu'ils... C'est de la pure lâcheté. C'est de la lâcheté sur le dos de leur peuple. Je ne sais pas si on imagine en fait le degré de trahison qu'il y a dans cette volonté de dénoncer la politisation, qui en est une par peur et par lâcheté vis-à-vis de gens qui leur font peur. Et ils appellent en effet au calme à des gens qui ne leur font pas peur, parce que la dernière fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est juste qu'ils avaient enfilé un gilet jaune gentiment sur des ronds-points. Et on s'est servi de quelques excités à Paris qui en effet détruisaient tout pour dénoncer ce mouvement-là. Parce que dans le fond, c'est la même France. Et c'est toujours sur elle que ça retombe à la fin. C'est toujours elle qu'on invisibilise. C'est elle qu'on demande de se taire toute la journée. Moi, je vous assure, la phrase d'Elisabeth Borne, là, elle n'est pas passée. Mais vraiment pas. Vous savez la colère que j'ai à chaque fois qu'il y a ces histoires-là. Là, j'ai entendu cette phrase et je me suis dit, mais ils veulent quoi en fait? Ils veulent quoi?
Mais ils veulent apaiser. Ils veulent apaiser, peut-être. Là. Ah bah, ils veulent apaiser pile au moment où tout le monde est déjà apaisé, où tout le monde réclame précisément, où tout le monde a encore précisément le degré de civilisation suffisant par rapport à l'ensauvagement pour organiser une marche blanche, pour prendre la parole calmement, pour expliquer qu'ils veulent la justice précisément pour pouvoir imaginer un jour retrouver l'apaisement. C'est le degré ultime de la civilisation. Ils veulent quoi de plus, en fait ? Ben c'est terrible. Vous me donnez la chair de poule, hein, Charlotte, hein, la façon dont vous exprimez avec et on ressent le cri de la France d'en bas, en fait. Celle qui n'est pas entendue par les pouvoirs publics, celle qui souffre et qui ne se sent pas représentée, même au sein de l'Assemblée nationale. Et celle qui dit sa colère tout calmement à chaque nouveau celle prénom, qui, cette litanie de prénoms. Celle qui est borgnée pendant les marches des Gilets jaunes. Et qui n'est jamais entendue, jamais. Narmenant, pardon. Ben, c'est l'abject du monde politique qui aujourd'hui est dans un entre-soi et qui laisse s'importer une mentalité venue des États-Unis, cette fascination que l'on a eue pour les Amériques et le wokisme qui est quoi au départ ? Une sorte de vengeance effectivement des Africains qui avaient été importés comme esclaves, qui n'avaient pas les droits civiques, qui ont dû lutter pour avoir le droit d'émerger. Mais en France, il n'y a jamais eu ça. En France, quand on regarde l'histoire sainement, il y a toujours eu un accueil extraordinaire pour les gens dits de couleur. C'est-à-dire que partout, on leur tendait les bras. C'est, je l'ai déjà dit ici, comment Joséphine Baker dit « Mais enfin !» Enfin, je suis un être humain. Il n'y a pas qu'elle, il y a Félix Eboué, il y a Léopold Senghor. Je peux vous faire une liste inouïe. Et pour autant, on arrive à payer des études, telles les études payées à l'ancien ministre de l'éducation, Papandreou, qui s'en va aux États-Unis et qui revient tout imprégné de wokisme en disant « C'est terrible, l'indigénisme est nécessaire, il nous faut avoir notre vengeance. » Vous vous rendez compte? Et les politiques, eh bien, ne font que cimenter ce propos fallacieux. Guillaume Bigot, imaginons, pardon, je prends un petit peu de temps, mais on va apprendre, accélérer après, mais imaginons un seul instant l'inverse. C'est-à-dire que le gouvernement, Elisabeth Borne, prend en compte ce que dit Charlotte Dornelas, prend en compte ce que disent les victimes, prend en compte ce qu'on voit sur les vidéos, prend en compte ce qu'on peut lire dans le Dauphiné libéré. Quelles seraient les conséquences dans la société ? Mais c'est ce que j'essaie de suggérer, c'est-à-dire, quand je dis que ce n'est pas dans le cadre de l'état de droit, parce que l'état de droit actuel, c'est vraiment le droit qui paralyse l'État. Il y a, en plus, dans notre Constitution, des tas de ressources. C'est l'article 16, avec l'état d'urgence. Enfin, cette espèce de violence totalement endémique ne relève plus du traitement judiciaire classique. Ça, ce n'est pas possible. Et il y a des armes, en plus, qui circulent. C'est extrêmement dangereux. Mais alors, si le milieu médiatique faisait son travail, je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. À chaque responsable politique, on lui demanderait, dans les prochains jours, les prochaines semaines, lorsqu'on dit « je m'en vais planter du blanc, hein, poignarder le blanc », est-ce que c'est du racisme anti-blanc ? Oui. Est-ce que le racisme anti-blanc est un vrai problème en France ? Oui ou non ? Je serais curieux de savoir, de la France insoumise à Reconquête, en passant par le RN, en passant les Verts, tout, je voudrais leur poser la question chacun, parce que franchement, que cette déclaration, c'est un crime raciste ouvert. Ouvert, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Eh bien ça, on s'en fiche parce que finalement, la race de la victime, entre guillemets, n'est pas la bonne. Ceux-là, on ne peut pas les nommer. On nous a même expliqué que c'était anti-scientifique comme concept, le racisme anti-blanc, au moment de recevoir une lame dans le ventre. Parce qu'on a la mauvaise couleur de peau, je serais curieux de savoir si le concept est toujours aussi anti-scientifique. Et est-ce que, justement, on pourrait peut-être noter que si on dénonce ces actes comme étant des racistes, du racisme, avec justement planter des blancs, c'est là que vous êtes traité de raciste. Mais bien sûr. Vous qui dénoncez. Ah ben là, j'ai fait tout un livre là-dessus il y a quelques années. C'est quand vous nommez le racisme anti-blanc, c'est là que vous vous rendez coupable de racisme blanc. Donc, comprenez bien. On est dans un monde totalement orwellien. C'est 1984 à la puissance 1000. Et aujourd'hui, quand en France, on s'indigne d'un groupe qui a lancé une expédition punitive avec des larmes, hein, des lames, dis-je, à l'avance pour poignarder les gens, ben, si vous nommez ce qui s'est passé là, un raid raciste contre des Français qui faisaient un bal populaire, eh bien, c'est vous le problème. C'est du génie. Merci à tous pour tous ces sujets. Dans un instant, on parlera de Bonaparte et de Joséphine, l'histoire d'amour. Avec vous, Charlotte Dornelas, on parlera de persécution
de chrétiens persécutés. On a beaucoup parlé de juifs. On va parler des chrétiens ce soir, puisque ce soir, il y a des bâtiments, cathédrales qui sont illuminés en faveur pour une pensée pour ces chrétiens dans le monde. On pense à l'Arménie, on en a beaucoup parlé, qui sont persécutés. Juste avant de donner la parole à Guillaume Bigot et avant la pub, on va regarder